go shake that ass so slow. So come on, give it up, here we go. Tonight I just wanna have fun, pass out and get so drunk. I know you have what I want, so come on, give it up, give it up. Give me the chills, I wanna feel. Quelque chose. Non. Et sinon, ouais, bah, on a créé une Super Nintendo télévision. Oui, justement. On l'a ramené. Impressionnant. Parce que. Ouais. Ouais, parce que. Il y avait des petits marioles qui disaient que c'était pas vrai. Puis on voulait aussi attaquer la galerie. Bah voilà, ça, c'est le jeu qu'on a créé. J'ai pas vu entièrement la vidéo, j'étais en train de la regarder. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas vrai. Ah, bah, et puis en plus, ramener à la petite 16 et tout ça, c'est en face de. Ils sont en train de l'éprouver à l'extrême pour le voilà, c'est pour ça. Tester. Parce qu'en fait, on avait fait un premier burn test. Donc là, on avait refait un burn test. Tiens, il a tourné toute la journée. Là, il est encore en burn test. Et vous voyez, il n'a toujours pas cramé. Non. Donc le prototype est fiable, en fait. Donc en fait, on en a fait deux. Normalement, vous pourrez le voir. Enfin, je sais pas quand sera diffusé la vidéo. Normalement, vous pourrez aussi le tester au HFS. Et bah, c'est l'équipe Delta Island. Oui. Et derrière ce projet. Donc t'as Landsat, Anata, X-Rider, il y a FF6man qui nous a filé un coup de main, Kitchen qui nous a filé un petit peu de matériel, Feba et B, quand ils sont au sol. Et je suis super content, parce que ça marche super bien. Ouais, et en plus, il y a beaucoup de gens qui sont. On voit, il y a beaucoup de personnes qui sont interloquées par l'écran. Ouais, bah en et gros. Et tout, ouais. Ouais, bah, en fait, si t'en sortais un, t'en vendrais plein, je pense. Mais il faut que le projet soit viable et il faut pas que ça coûte cher. Ouais. Pour l'instant, là, ça reste cher. Ouais, bah oui. Ouais. Les pièces, juste en pièces, t'en as pour au moins 500 euros. Quoi. Ah oui. Et d'accord. En plus, ça dépend la Super Famicom Junior, si t'arrives à la toucher pas cher ou pas. Ouais. Sans compter tout ce qui est impression 3D. Si, moi je compte l'impression 3D en gros, t'en as pour 500, 600 euros. L'impression 3D, ça a bouffé 3 bobines. Donc tu vois. Ouais. Mais du coup, donc faut rendre hommage surtout à Landsat et à Nata. Donc en Landsat, c'est électronique, tout ce qui est électronique, montage et tout. Mm-hmm. Et à Nata, c'est lui qui a modélisé l'écran. D'accord. Donc sans lui, il n'y aurait pas d'écran en fait. Ouais, franchement, c'est du beau travail. Non, mais je tiens à leur rendre justice, surtout à Nata, parce que tu vois, ça, c'est des mecs qui ne s'affichent pas sur Internet, qui ne font pas de vidéos, qui ne font rien, alors qu'en fait, c'est les meilleurs. Tu vois, c'est auprès de ces mecs-là qu'il faut que tu ailles prendre des renseignements, apprendre des choses et tout, tu vois. Ouais. C'est eux les vrais du jeu vidéo, tu vois. Et ils sont, tu vois, ils sont pas ici. Ils sont... Ça, c'est dommage. Voilà, c'est ça. Moi, je suis pareil sur le forum, mais donc il y en a un que j'ai rencontré à la RGC. Ouais. L'année dernière. Toi, tu avais rencontré Landsat. Ouais, avec, ouais. Avec justement pour les Game & Watch. Game & Watch, ouais c'est on ça. On en a pris deux et excellent. Ouais, voilà, ouais. Bah tu vois, Landsat, c'est celui à qui t'as pris Game & Watch. C'est lui qui a fait toute l'électronique de la télé. C'est lui qui a dit, bon, ça, faut qu'on fasse comme ça, pour pas que ça crame, Voilà, donc tu vois, eux, c'est vraiment les meilleurs des meilleurs. Ouais, tu vois, ouais. c'est pas des rigolos. Quoi. Du coup, moi, je suis content parce qu'ils acceptent de travailler avec moi. Non, mais c'est génial, quoi. C'est, donc, on va voir si on va essayer. En fait, j'espère que les gens, ils vont en parler. C'est pas pour qu'on fasse de la pub ou quoi, mais c'est pour qu'ils voient que, tu sais, les gens, ils reconnaissent le travail bien fait et que ça les motive à faire d'autres choses. Tu vois. C'est clair. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Se eu não me der valor, ninguém vai me valorizar. Brasil. Tem como fazer mais barato se eu te der o material. Não trabalho assim porque eu sou profissional. Gastei tempo e dinheiro, foi difícil aprender. Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer. Se tu tá me procurando é porque não sabe fazer. Tem anos de experiência no valor que a gente cobra. O preço não tá no produto, tá na mão de obra. Tem anos de experiência no valor que a gente cobra. O preço não tá no produto, tá na mão de obra.